Auguste Escoffier, durant toute sa carrière, a œuvré pour apporter du confort et du réconfort aux personnes nécessiteuses. On a une volonté d'apporter donc effectivement une aide à des actions caritatives. L'esprit Escoffier, ce sont les valeurs que l'on cherche à apporter au sein de l'association, à savoir la transmission sur les jeunes générations. L'élément important au niveau de cette transmission, c'est effectivement le concours Jeunes Talents Escoffier. C'est une compétition sur soi, parce qu'il y a plein de défis à affronter. Si vous n'arrivez pas préparé, rien ne se passe correctement. Pour un concours comme les Jeunes Talents Escoffier, dès l'arrivée du sujet, on passe beaucoup de temps à l'analyser. Puis après, on commence les entraînements. Beaucoup d'investissements personnels, de travail. I choose Escoffier Challenge because it's something unique. You get to learn a lot of people as well. It's a unique experience for me and to develop myself in the competition and in my career. De me faire analyser à la loupe par un jury d'exception, savoir ce qu'ils pensent du travail qu'on peut accomplir, ça donne une gratification personnelle. Le travail, c'est un travail très beau, très aussi fatigueux, mais un travail qui donne des satisfactions. Until the last training, I'm still, in between reaching the timing and out of timing. So I'm just hoping to get my timing right this time round, the last training. En fait, je crois que je suis la plus jeune, j'ai 17 ans. Et puis, je viens de commencer ma deuxième année d'apprentissage. Alors, je veux montrer ce qu'on peut faire aussi dans la deuxième année d'apprentissage. I like to presenting the wines, to presenting the menu, to talk with the guests and to work at the table. Il y a toutes les épreuves qui se passent au Guéridon. Donc on a l'entrée au Guéridon, donc ce qu'elle parlait, là, c'était la salade d'agrumes avec les Saint-Jacques. On a après la découpe du canard au Guéridon, le plateau de fromage au Guéridon et la découpe du Saint-Honoré au Guéridon. C'est vrai qu'au fur et à mesure, on s'entraîne, on a des résultats et les gens nous s'étonnent en disant que justement, pour eux, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose de normal. C'est notre métier, c'est notre passion et c'est ce qu'on veut aussi transmettre aux gens qui viennent manger. This is my passion and I think that this is my future. So... C'est pas une finalité en soi, un concours, c'est juste une remise en question vis-à-vis de soi-même. Et puis il faut relativiser. C'est pas parce qu'on ne va pas gagner qu'on va pas devenir un cuisinier. Moi j'ai fait moi-même des concours, je n'ai jamais gagné de concours, ça m'a pas empêché de pouvoir m'exprimer culinairement au quotidien auprès de mes clients. Mais je dirais à tous les candidats que l'importance il est ailleurs, l'importance il est dans le partage, dans les échanges avec les chefs. C'est des journées comme ça qui peuvent peut-être changer aussi le destin d'un jeune cuisinier ou d'une jeune cuisinière et peut-être faire rêver et leur dire « Ah ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. » Matteo Nicolas. Alors, lui, il est là. Grégory.